type-là peut avoir des bonnes applications cliniques. J'imagine que pour la suite, vous deviendrez un peu référence pour les autres centres qui éventuellement pourront utiliser ce genre de technologie. Donc, c'est un beau rayonnement aussi pour l'Institut à plus long terme. Ça, c'est sûr. Ben, c'est sûr que même le docteur Rodès, le docteur Dumont, ont été des chefs de file à Laval Vortique comme tel. Et puis, plusieurs équipes sont venues s'entraîner ici pour apprendre ces technologies-là avec l'expertise des docteurs Dumont, docteur Rodès. Moi-même, les grandes institutions américaines sont venues s'entraîner ici, tout ça. Est-ce qu'on prévoit peut-être faire la même chose un peu plus pour la valmitrale, mais sur un volet qui est encore plus expandu, dans le sens que maintenant qu'on a ce laboratoire animal-là, ça nous permet également d'effectuer une étape importante qui est d'entraîner ces équipes-là avec les animaux dans notre centre et puis ensuite faire des procédures chez l'humain qui vont pouvoir visualiser et qu'on va aller les assister par la suite dans leur centre. Donc, ça nous donne une belle plateforme de pouvoir montrer notre expertise et de partager notre expertise avec nos collègues à travers le monde. Et pour en arriver,